Salut à tous, bienvenue sur la team BGC. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment régler le problème de sauvegarde sur Rocket League sur PS4 cette fois-ci. Alors oui, c'est vrai, il y a déjà eu un tutoriel disponible sur le même sujet mais sur PC. Je vous mets la petite fiche en haut à droite si vous voulez aller voir si vous avez le même problème. Donc pour ce tutoriel, je vais passer sur PS4. Donc voilà, je viens de passer sur mon téléphone pour filmer ma PS4, voilà, ce sera un peu plus simple. Du coup, pour régler ce problème, vous devez aller dans paramètres, ensuite vous devez aller dans gestion des données d'application sauvegardée, ensuite vous cliquez sur données sauvegardées sur le stockage système et en bas vous allez cliquer sur supprimer. Ensuite vous arrivez sur cette page, donc là vous voyez plusieurs jeux, donc nous a priori c'est Rocket League, donc vous cliquez sur Rocket League et là à partir de ce moment là vous cochez Rocket League et vous faites supprimer. Donc comme je dis les gars, comme dans l'ancien tuto, il n'y a pas d'arnaque, donc ça fonctionne vraiment, donc je vais le faire devant vous. Donc, supprimer. Voilà, c'est fait, vous retournez dans paramètres et vous allez vérifier dans stockage que Rocket League, donc dans données sauvegardées, n'est plus là. Donc c'est tout à fait normal, c'est les données corrompues qui ont été supprimées. Donc là vous allez voir, vous allez relancer Rocket League, donc je vais le faire là. Donc voilà, vous lancez Rocket League. Bon, moi j'ai toujours l'ancienne version mais ça change rien, c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas allumé ma PS4, justement à cause du problème de sauvegarde. Donc le fait de ne pas avoir fait la mise à jour ne change rien. Donc voilà, cliquez et là cinématique. Donc là il y a la cinématique. Donc comme pour l'ancien tuto, vous devrez jouer juste le match d'introduction et après ce match vous verrez toutes vos voitures vont être là. Donc une fois Rocket League lancé, vous allez voir dans votre garage s'il y a toutes vos voitures, donc normalement oui. Voilà, j'ai toutes mes voitures. Donc là, moi, vous, comme vous pouvez voir, je sais pas mon compte principal. C'est pour ça que j'ai pas de voiture, mais les voitures que j'ai pu obtenir sont toujours là. Les stickers aussi, j'en ai pas beaucoup. Voilà, les roues que j'avais débloquées sont toujours là. Également pour les turbos, les accessoires, les antennes. Bon, ça j'en avais qu'un, là aussi j'en avais qu'un, et voilà. Donc les gars, j'espère que ce tuto vous a plu et que cette vidéo a fait en sorte de vous aider et de pouvoir rejouer à Rocket League. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à surtout à vous abonner. C'était la team BGC, ciao.